Salut, c'est Dr Excel, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour réaliser un fichier qui va te permettre de suivre ta nutrition et de planifier exactement tes repas pour la journée et puis même pour la semaine, on verra ensuite, selon tous les types de nutriments que tu souhaites mesurer. Donc là, j'ai fait un exemple avec les calories, protéines, glucides, fibres, lipides et puis les différents types de graisses. Donc ce que ce fichier va te permettre de faire, c'est de rentrer chaque aliment avec une simple liste déroulante, tous les aliments que tu auras dans ta base de données personnelle, qui est dans un onglet aliments. Il te suffira, si tu veux rajouter des aliments, de rajouter une ligne tout simplement avec les différentes infos que tu peux trouver partout sur internet. D'ailleurs, je te signale que le fichier, tu peux le télécharger juste en dessous de la vidéo directement pour voir comment moi je le construis. Je vais te le montrer dans le tutoriel et puis pour t'en inspirer et le réutiliser pour tes propres objectifs nutritionnels. Donc voilà, pour une journée, ça va te donner en fait un résumé en fonction de tous les aliments que tu auras rentrés ici, les totaux nutritionnel et puis en fonction des objectifs, si tu souhaites te fixer des objectifs, ça va te calculer s'ils sont respectés ou non. Et puis dans un deuxième temps, on va faire la même chose mais pour tous les jours de la semaine, et puis tu auras juste à rentrer pour chaque jour soit les aliments directement, soit des petits menus que tu seras déjà mis en raccourci. Donc je vais te montrer comment faire après dans la vidéo, et puis tu pourras directement faire ton planning de repas pour toute la semaine et avoir pour chaque jour, savoir si ça remplit bien tes objectifs de nutrition. Alors après, moi j'ai pris des objectifs un peu au pif, ma chaîne c'est Dr Excel, pas Dr Nutrition, donc après tu peux bien sûr modifier tous les objectifs en fonction de tes propres objectifs de nutrition, si tu veux prendre du muscle, si tu veux perdre du poids, si tu veux manger plus ou moins de glucides, il n'y a pas du tout de problème, tu pourras tout modifier. Voilà, donc une fois de plus, je te dis, le fichier il est juste en dessous, tu peux le télécharger, et puis je vais te montrer tout de suite comment construire tout ça. Ok, donc on va commencer. Donc pour commencer, tu as besoin d'un tableau de tous les aliments que tu veux utiliser dans ta nutrition. Donc moi, je t'ai déjà mis certains aliments que moi j'utilisais, mais je t'encourage en fait à faire tes propres recherches et à remplir toi-même la liste de tous les nutriments dans chacun des ingrédients. D'abord parce qu'on mange pas forcément la même chose, et puis l'intérêt c'est que tu puisses personnaliser le fichier. Donc moi, ce que j'ai traqué, c'est simplement les calories, protéines, glucides, fibres, lipides et puis les types de graisses. Après tu peux toi-même modifier le fichier, tu peux mettre par exemple les taux de vitamines, tu peux rajouter des colonnes, c'est un peu à toi de voir. Et puis pour les infos, tu les trouves sur Google ou sur des sites spécialisés de nutrition qui vont te dire, je sais pas combien il y a de glucides dans les épinards, etc. Donc là, je vais juste te montrer comment ça marche. Les infos, tu peux les modifier comme tu veux. Donc là, on a déjà une liste des aliments, et puis on va traquer pour chaque jour la liste des aliments qu'on va manger. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toute cette colonne A et on va la renommer aliments. Comme ça, on pourra y faire référence plus simplement par la suite. Et on va ajouter les infos qui nous intéressent. Donc, on va d'abord mettre le nom du repas. Ensuite, on va mettre l'aliment, la quantité. Et puis ensuite, on va mettre toutes les infos de nutrition. Donc, en fait, je vais reprendre ça ici. Après, tu n'es pas obligé de tous les mettre. Tu vois, si tu as plus d'infos dans ton tableau d'aliments que tu n'es réellement intéressé par pour ce que tu veux savoir au jour le jour. Je vais mettre le même format ici, repas, aliments, tout ça, ok. Puis on va commencer à remplir la liste des repas. Donc tout simplement, ce qu'on va commencer par faire ici, on va mettre une liste déroulante, comme ça on aura directement le choix des aliments. Donc pour ça, tu fais quoi déjà? Tu fais donner, validation de données, et autoriser une liste, et la liste, c'est la source, c'est aliments. C'est en fait la liste de tous les aliments, ok. Donc après, si tu fais ça, tu as la liste de tout ce que tu as rentré comme aliment. Ce que je te suggère comme convention, c'est que tu mets par unité, par exemple un œuf, un blanc d'œuf, etc. Et sinon, si ce n'est pas par unité, tu mets par 100 grammes. Comme ça, après, si tu veux choisir la quantité, donc par exemple, on va mettre flocons d'avoine le matin. Quantité, tu mets 85, donc tu mets 0,85 pour 85 grammes. Voilà. Donc le repas, ça va être le petit déj. Et alors les calories, toutes les infos là, tu vas aller les trouver automatiquement dans ton tableau des aliments. Donc pour ça, on va utiliser une petite formule. Donc tu vas faire égal index pour dire
index, et en fait tu vas lire dans le tableau les infos. Et on va utiliser deux fonctions equiv qui en fait cherchent la position des infos cherchées dans le tableau. Donc d'abord, tu as on cherche cette valeur et on la cherche dans le tableau de recherche qui est le tableau des aliments. Donc on va le mettre dans aliments. Et on fait 0 pour une recherche exacte. Donc on cherche la position de cet aliment-là dans la liste de tous les aliments pour la ligne. Et en colonne, on cherche la position de... Donc equiv, position de cette donnée. Donc ici, c'est les calories. Dans la liste de toutes les données qu'on traque. Et pareil, c'est une recherche exacte. Alors pourquoi... Alors déjà, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce qu'on dit position 5, 2, mais en fait, je n'ai pas précisé à quel endroit il faut que je dise avant dans quelle matrice je cherche. Donc, du coup, et c'est le premier paramètre, l'endroit dans lequel on cherche, c'est la feuille des aliments. Et si je fais ça, j'ai 362 calories, 362,5 calories pour 100 grammes de flocons d'avoine, et c'est bien ce que j'ai ici. Du coup, il faut que je le multiplie par la quantité. On va passer en référence absolue. Il faut toujours que ce soit dans la colonne C, donc tu vois, il faut qu'il y ait un dollar devant le C, parce qu'après, comme ça, quand on va dérouler la formule, il faut toujours que ça prenne dans la quantité dans la colonne C. Enfin, surtout quand tu vas la dérouler ici dans toute la ligne, il faut toujours que la quantité soit ici. Ok. Et alors, pourquoi je passe par une formule index? Simplement, c'est parce que si jamais tu as envie de... Parce que tu vois, les types d'informations nutritionnelles sont dans le même ordre. C'est parce que si jamais un jour tu as envie de supprimer les protéines ou les glucides, ce ne sera plus le même ordre. Donc, il faut pouvoir les retrouver dans la liste originale. Donc, c'est pour ça. Donc, ici, le truc, c'est que... Tu vois, je vais te... Alors ici, par contre, je me suis encore planté, tu vois, je ne suis pas très bien réveillé ce matin. Il faut toujours qu'on soit dans la colonne B, tu vois, pour toujours prendre les aliments ici, dans la colonne B. Et puis ici, on va toujours être dans la ligne 1. Donc je mets des références absolues là où il le faut. Et si je tire, voilà, je commence à avoir un truc... Attends, je vais mettre 1 pour vérifier les données. 1,25, 2,5, 2,5. Et on va vérifier qu'on ait bien la même chose. 1,25, 2,5, 2,5. Ouais, c'est parti. C'est la même chose. Donc là, notre formule, elle marche bien. Et l'intérêt, c'est que si tu as envie, par exemple, de supprimer ces deux colonnes, tes informations sont toujours trouvées. Alors que si tu pointais simplement, si tu te fiais sur l'ordre des informations, ça ne fonctionnerait pas si tu n'utilisais pas la formule. On va faire le reste du menu. Voilà, donc alors juste qu'on va corriger, parce que j'aime pas trop ça, on va mettre tout ça, on va l'appeler tableau, ça. On va l'appeler tableau. Et puis ce qu'on va faire ici, c'est que ce truc-là, on va l'appeler tableau aussi dans la formule. Ce qui est plus digeste comme formule. Et donc là, je vais copier cette ligne et je vais la coller pour un nouveau. Pour les nouveaux aliments, elle fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, alors ici, il faut que je mette, pareil, on a oublié une référence. Il faut que ce soit toujours sur la première ligne. Hop. Donc ça, on va le copier, on va le coller là. Ok. Donc, on va mettre tous les aliments. Alors, on va mettre quoi? On va mettre des œufs au petit-déj, des œufs, flocons d'avoine, des noix ici, et puis donc pour le petit déj toujours, des noix, et puis genre de la whey par exemple si tu t'entraînes le matin avant le petit déj. Et alors tu peux prendre par exemple 100 grammes de flocons d'avoine, je sais pas, par exemple tu mets 4 œufs, je sais pas, 30 grammes de noix, donc 0,3 parce qu'on va les compter par 100 grammes, et puis 2 scoops de whey. Et puis après, on va coller la formule ici. Donc tout ça, on va le copier. On va le coller ici. Et ici aussi. Donc après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux rajouter... la somme, tu vois, la somme intermédiaire pour le premier repas.
Donc là, on va mettre, ben là, on va rien mettre, on va mettre somme petit déj aussi. Et là, on va faire le sous-total. Donc pour ça, tu vas utiliser la fonction ben, sous-total, tout simplement. 9 pour faire une somme. Et ben, puis tu prends la. Comment ça s'appelle? La plage concernée. Alors pourquoi on utilise la fonction sous-total et pas la somme? Pourquoi? Parce qu'après, si tu vas. On va faire une somme de tout le tableau pour toute la journée. Là, on a fait le petit déj, on va faire le déjeuner, dîner, etc. Et si tu utilises juste des sommes, après quand on va prendre la somme de toute la colonne, on va compter deux fois, tu vois, on va compter d'abord les quantités du repas, puis le total. Alors que si tu fais un sous-total, si tu utilises la fonction tout-total, il va pas compter les sous-totaux intermédiaires. Donc sous-total, c'est bien si tu veux faire plusieurs sommes imbriquées en fait. Et voilà, donc on va faire le sous-total pour tout le petit-déj. Alors tu vois, tu peux mettre une petite couleur pour spécifier que c'est un sous-total. Voilà, et puis après on va faire tous les autres repas de la journée. Alors attends, ce que je vais te faire, c'est que je vais tout simplement, on va rajouter tous les repas de la journée. Ah, je vais faire ça assez rapidement. Voilà, donc je t'ai rajouté des aliments pour le déjeuner. Et puis pour le dîner, alors bon après moi j'ai pris des menus un peu au hasard, tu vois, c'est juste pour te montrer le fichier. Tu pourras remplacer avec tes propres menus selon tes objectifs de nutrition. Ça dépend si tu veux, je sais pas, si tu veux prendre du muscle ou si tu veux maigrir. Voilà, mais donc ici tu as le petit déj, le déjeuner et le dîner. Et donc ici on va pouvoir faire un total du jour. Et là, donc après, tu sais, ici, c'est toujours les mêmes formules. Hein, c'est ce qu'on a vu avant, donc je ne reviens pas dessus. Et puis, total du jour, en fait, là, on va réutiliser la fonction sous-total. Alors, sous-total en français. Sous-total 9 de tout ça, tout simplement. Et l'intérêt, c'est qu'ici, tu comptes qu'une seule fois les valeurs, c'est-à-dire qu'elle te compte pas, la formule te compte pas à la fois les valeurs et les sous-totaux déjà effectués. Et puis, alors, hop, on va coller tout ça ici. Ce qui te donne, en fait, tous tes apports nutritionnels pour la journée. Et on va mettre un peu de format ici, voilà. Je te mets en gras et on va centrer. Ce qui te donne un bilan pour la journée. Alors là, bon, on a fait une journée à 3000 calories, donc ça dépend un peu de tes objectifs. On va aussi bloquer là le haut pour avoir toujours le type de nutriments qu'on cherche. Donc on va dans affichage, figer la ligne supérieure. Donc comme ça, si je scroll, je sais toujours si je parle de protéines ou quoi. Alors ce qui est intéressant maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va faire un petit bilan, on va rajouter finalement tes objectifs. Est-ce que tout le menu que tu as fait, est-ce que ça vérifie bien tes objectifs de nutrition? Donc tes objectifs, ça peut être quoi? Ça peut être un nombre de calories. Donc par exemple, après c'est à toi de mettre ton objectif, tu vois. Donc ce qu'on va faire, ça on va plutôt le mettre en dessous même. On va mettre calories ici. Ici, on va mettre l'objectif. Donc, je sais pas, peut-être ton objectif, c'est 2500 calories par jour. Tu peux avoir des objectifs en termes de quantité de protéines que tu veux manger. Par exemple, si tu fais de la muscu. Donc, je sais pas, si tu me dis que tu veux 2 grammes par kilo et que tu fais 85 kilos, ça fait plus 2 fois 85. Donc, ton objectif, c'est 170. Tu peux essayer de respecter un objectif en termes de fibres, par exemple, tu veux manger 30 grammes de fibres par jour, et puis tu peux traquer tes lipides aussi, donc je sais pas si tu peux faire 1,2 grammes par kilo, et là on a dit 1,2 fois 85, si tu pèses 85 kilos. Bon, après moi je mets des trucs, tu peux vraiment faire n'importe quoi, hein, c'est à toi de voir ce que tu veux, ce qui t'intéresse, comme quels sont tes objectifs de nutrition. Je te montre juste quelques petits exemples. Et alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite formule qui va nous dire si ces objectifs sont respectés ou pas. Donc ici, par exemple, pour les calories, on va dire est-ce que c'est respecté à 50 calories près, par exemple. Donc on va dire égal si la valeur absolue des calories du jour moins l'objectif,
c'est inférieur à 50, on va mettre OK. Et puis sinon, on va afficher problème. Voilà, OK. Donc là, problème, effectivement, parce que on a dit, là, on mange trop, tu vois. Ici, pareil, protéines. Donc, est-ce que tu veux, là, on essaie de manger beaucoup de protéines. Donc, est-ce que... attends, je vais reprendre la même formule. Et simplement, ici, on va dire, est-ce que... non, ça va être... On va prendre une autre formule. On va faire si les protéines est supérieure à l'objectif, bon, ça va, ça veut dire qu'on a atteint l'objectif. On va mettre OK, et sinon, problème. OK, donc là, c'est OK. Mais alors là, même, je sais pas si... Tu vois, là, on dépasse largement, hein, même. Donc, c'est peut-être pas aussi bien que ça. Donc, faudrait peut-être refaire le menu. Mais bon, je te laisserai le refaire après, en fonction de tes propres objectifs. Là, pareil, on va dire, est-ce que les fibres qu'on a mangées au long de la journée sont supérieures aux objectifs? Oui. Et est-ce qu'on a mangé assez de graisse? Donc après, assez de graisse ou trop de graisse, ça dépend, ce sera à toi de refaire la formule si tu veux. Donc si les quantités de graisse... si les lipides au cours de la journée sont supérieurs à l'objectif, on va mettre OK. Et sinon... problème. Et là, problème, pourquoi? Parce que on n'en mange pas assez. Donc là, même, on peut mettre un petit, on peut même mettre un petit format conditionnel si on veut, tu vois. On va mettre mise en forme conditionnelle, règle de surlignage égale à qui contiennent valeur de la cellule égale à problème. Voilà. Tu vois, on va mettre ça pour le mettre en valeur. Et là, si par exemple, tu vois, je mange trop, donc si j'enlève l'avocat, par exemple, je vais peut-être diminuer les calories. Donc là, je mange pas assez de fibres. Bon, je sais pas, il faudrait triturer. Je te laisserai le faire et l'adapter en fait à ton menu. Mais en gros, en modifiant les quantités de chaque aliment, bah, tu vas avoir tous les totaux nutritionnels qui t'intéressent. Et puis, tu vas voir si ça respecte tes objectifs. Attends, je vais mettre un peu de format parce que c'est dégueu, là. On va mettre ça comme ça. Donc, voilà, ça peut te permettre déjà de faire... Donc là, tu as un bon début pour organiser ta journée et savoir un peu le menu de ta journée. Et maintenant, on peut aller un peu plus loin. On va faire... tu sais quoi, on va faire un menu de la semaine. Alors, déjà, ce qu'il faut que je te montre, tu peux... Bon, ce qui se passe, tu vois, c'est quand tu commences à traquer un peu ce que tu manges et tout, tu vas faire toujours un peu les mêmes repas. Tu vas avoir des repas types. Donc, ce que tu peux faire, tu peux tout simplement, les rentrer comme modèle dans ta fiche. Donc, ce qu'on va faire, donc ici, je vais l'appeler, ici, on va rentrer là. Attends, on va dire petit déj, hein. Et puis on va rentrer les calories. Soit tu les prends ici, là, dans ton, sur un truc que tu as déjà calculé. Donc, tu peux faire un copier-coller. Soit sinon, ce que tu peux faire, tu peux les faire avec des formules qui pointent directement sur les différents aliments. Donc moi, ce que je vais faire tout simplement un copier-coller. On va faire un copier de ça. On va aller dans aliments, calories, collège spécial des valeurs. Et puis simplement, on va le mettre en note. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire... on va copier tout ça et puis on va le mettre en commentaire. On va dire petit déj 1, clic droit, insérer un commentaire, hop, et commentaire, on va mettre tout simplement, on va coller le contenu du menu. Voilà, comme ça tu as le contenu de ton menu. Ou alors sinon tu peux le mettre en commentaire. Tu peux faire un champ commentaire si tu veux. Commentaire, en tout cas moi je vais le mettre là. Et l'intérêt c'est que après du coup tu peux. Tu peux tout simplement l'utiliser comme raccourci en fait dans ton menu. Donc ça, je vais enlever tout ça. Donc là, par exemple, on a 1110 calories. Je vais enlever tout ça et je vais mettre petit déj 1. Normalement, je dois l'avoir en bas. Et je reviens avec 1110 calories. Alors là, tu vois, petit souci, parce qu'on a des erreurs. Partout dans ma formule, je vais mettre 6 erreurs. Donc si en fait, il n'y a pas d'aliments ou s'il manque des trucs, je vais mettre, tu renvoies... une chaîne vide, comme ça la formule est plus propre, et ça je vais le coller partout.
Voilà, ce qui va me permettre d'avoir un fichier plus propre. Et puis, ça ne change rien pour les calculs. Voilà. Ouais, donc voilà, pour te montrer un peu les raccourcis que tu peux faire, tout simplement. Bon, après, tu vois, j'ai appelé ça petit déj, mais tu peux lui donner un titre un peu plus... tu peux appeler ça... je sais pas moi, tu peux appeler ça omelette flocon d'avoine, tu vois. Et puis pareil, tu peux dire, pour tes repas, tu peux dire riz, poulet, brocoli ou ce que tu veux. On va rapidement créer un deuxième. Attends, je vais te montrer pourquoi on va appeler ça... comment je l'ai appelé le deuxième? Riz, poulet, haricot, on va appeler ça. Hop. Donc on va appeler ça déj, riz, poulet, haricot. Hop. On va faire un petit copier-coller aussi. On va coller les valeurs. Et puis tout le reste fonctionne pareil, donc là je vais juste tester que ça fonctionne bien. Si je fais donc là j'ai 920, si je fais mon petit riz poulet haricot, hop, 920, ok, ça marche, ça fonctionne. Donc moi je t'encourage un peu à faire des templates pour tes repas qui reviennent souvent, ou si tu utilises souvent les mêmes types de menus, pour aller un peu plus vite. Maintenant ce qu'on va faire, donc là c'est un modèle pour un jour et pour savoir si ça respecte tes objectifs. Ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant faire un template pour la semaine. Donc je vais faire tu vois, je vais faire, comme ça tu auras en un clin d'œil tous tes repas de la semaine, en fait tout ça avec tous les repas de la semaine, et comme ça tu sais direct, tu as la vision globale de tout ce que tu vas tout ce que tu as mangé. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre lundi, hop, lundi dimanche, et puis ici on va mettre toute la liste de tous les aliments. Donc pareil, ici on va mettre des petites listes déroulantes, validation de données, autoriser une liste qui s'appelle, elle s'appelle aliments, je crois, je me rappelle plus trop. Yes. Et alors l'intérêt, c'est que maintenant, tu vois, je vais dire le lundi je mange mon petit déj numéro 1, ensuite je mange mon poulet haricot. Et puis, bon, l'autre, je ne l'ai pas mis encore, mais je vais mettre ça. Il faut spécifier les quantités aussi. On va mettre... tu vois, on va le mettre là. Donc, 1, 1. Puis, on va rajouter les quantités. Donc, ici, je vais prendre des aliments que j'ai pas... que j'ai pas mis sous forme de menu, tu vois. Donc, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais... je vais les coller en dessous. Je vais mettre un petit espace, tu vois. Puis après, on va faire pareil, en fait. On va insérer des lignes. On va insérer là. Voilà, une petite touche de format plus tard. Donc, on a toujours notre liste, là. Et alors, ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout simplement la liste des objectifs. Donc, pour ça... et pour ça, ce qu'on va faire... Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire tout simplement une feuille. Tu vois, on va reprendre ce template, là, qu'on a fait pour le jour. Et on va en faire un par jour. On va faire lundi, mardi, tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le... mon jour, je vais le dupliquer et je vais faire... Alors déplacer ou copier. Hop. En dernier, créer une copie. Ok. Ça, je vais l'appeler lundi. Je vais supprimer les sous-totaux parce qu'en fait, dans mon tableau de la semaine, je ne vais pas faire de distinction, tu vois. Je ne vais pas faire de distinction entre les différents repas. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le supprimer. Ça, je vais le supprimer. Ça, je vais le supprimer. Et du coup, en fait, on ne va pas faire de... Ça, je vais le supprimer aussi. Et puis, simplement, ici, je vais faire égal semaine. Je vais plugger sur le lundi. Ici aussi. Alors c'est pas top, tu sais quoi, je vais mettre le tableau, je vais mettre quelque part que c'est le lundi, je vais mettre lundi ici, et alors on va aller chercher dans le tableau, on va aller chercher lundi en fait dans notre tableau. Donc pour ça, tu sais quoi, je vais dégager, en fait j'ai déjà les formules, mais tout ça je vais le dégager. Alors pour aller trouver, donc je vais faire égal index pour l'aliment, je vais faire équive, donc je vais trouver donc la ligne
index. Je vais aller dans le tableau de ma semaine. Alors ça, il faut que j'appelle, je vais le renommer, tu vois, parce que sinon on va s'y perdre. Donc ça, je vais l'appeler semaine. Je vais faire donc égal index dans le tableau de la semaine. Donc dans semaine, je vais aller chercher un numéro de ligne, ça va être 1. On va commencer à 2 parce que la première, ça va être l'en-tête. Et le numéro de colonne, ça va être équive de. Tu cherches lundi dans. Alors attention, B19. Ça, c'est fixe, donc F4. Et tu vas le chercher dans semaine, dans les en-têtes, donc dans la ligne. Pourquoi il me l'a mis deux fois ? Dans semaine C2, P2, donc ça, c'est fixe aussi. Et on fait une recherche exacte. Donc ici, je dois avoir petit déj quantité 1 1000 calories, donc ça c'est bon. Et donc ce qu'on va faire, c'est que tu vois ici, on va mettre le numéro de ligne, c'est plus simple. On va mettre le numéro de ligne à chaque fois. Donc si je, il faut que je fasse, je vais incrémenter le numéro. Donc là pour les aliments, ici on va prendre ça plus 1, tout simplement. Comme ça à chaque fois il va aller nous chercher les aliments qu'il y a dans cette liste. Ça je vais le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va mettre... Donc là, il va bien nous chercher tous les aliments qu'on a dans notre tableau. Alors ici, maintenant, il faut aller chercher les quantités qui correspondent à chacun des aliments ou des menus. Et donc ce qu'on va faire, tu vois, comme à chaque fois, c'est à une cellule à droite. En fait, on va utiliser la fonction décaler parce qu'en fait, on se décale d'une cellule à droite. Donc on va utiliser la fonction décaler. Décaler la référence, ça va être c'est la même formule sauf que tu rajoutes une colonne ici, tu vois. On va même pas utiliser la fonction décaler, c'est ligne colonne. On va prendre ça. J'ai cassé la formule. Je vais prendre ça. Équive, et ça on va rajouter une colonne à chaque fois, plus 1. Donc là elle me dit 1, et si je mets tout ça comme ça, ça me dit 1, 1, 2, 25, 0, 5, 2, 2. Ouais, c'est bon. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'on a un peu notre... automatiquement notre... Alors attends, il faut automatiquement, je sais pas. Il faut que je mette au moins toutes les formules partout. Ouais. On a directement notre bilan pour le lundi. Ce qui est assez cool. Et alors ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en fait les objectifs ici, tu vois. On va mettre donc là on a tout le calcul qui se fait un peu sur ce qui se fait là sur la feuille. Donc ce qu'on va faire ce coup-ci, les objectifs, on va les mettre en dessous, tu vois. Ok, donc là comment on va faire là, je me pose un peu la question. Parce que tu vois, si on laisse les calculs d'objectifs dans chaque feuille, c'est-à-dire que si tu veux les modifier, il faut que tu te retapes toutes les feuilles. C'est pas top, c'est pas super sympa pour toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire... ici, on va mettre la liste de tous les nutriments traqués, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire... en fait, on va mettre tous les sous-totaux, tu vois. Donc, ici, je vais faire égal transpose de... je vais aller dans le lundi, puis je vais transposer tout ça là. Transpose, ouais, il faut que ce soit en matriciel. Ctrl Shift Enter, calories. Et donc, alors par contre, il faut que je sélectionne ici toute la. Alors la fonction transpose, en fait, elle prend une ligne et elle la transforme en colonne. Donc, et c'est une formule matricielle, donc tu la valides avec Ctrl Shift Enter en même temps. Alors en fait, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai jusqu'à 23. Donc ça, je vais le supprimer. Et on va sélectionner juste cette colonne. Je vais faire ça, je vais faire
CTRL-SHIFT-ENTER, donc comme ça on a la même liste de nutriments. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais coller à chaque fois la liste, les sous-totaux qu'on a fait pour le lundi, pour les totaux du jour. Donc je vais faire égal transpose de mon lundi, et je vais prendre le sous-total hop, jusqu'ici qui est évidemment, j'ai la même erreur, il faut que je sélectionne toute la plage de destination, CTRL-SHIFT-ENTER. C'est bon, donc j'ai mes sous-totaux, là c'est cool. Par contre ça va toujours dans lundi, donc ce que je vais faire, c'est que cette plage là, je vais la construire, le nom je vais le construire avec la fonction indirect qui prend en fait indirect, ça te permet de construire une adresse. Donc si je fais indirect de ça, je vais dire lundi, je vais en fait tu peux écrire le chemin sous forme de texte et ensuite il te le transforme en adresse. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon indirect, le lundi, je vais prendre cette cellule ici, je vais ajouter le suffixe qui correspond à la plage que je veux aller chercher. Donc ici, je vais construire le chemin en disant lundi, puis tu ajoutes D17, K17, ce qui fait une adresse, mais sous forme de chaîne de texte. Et avec la fonction indirect, tu le transformes en adresse Excel. Et si je fais transpose de tout ça, alors attention, il faut... Alors, je sais pas si ça va pas merder. Donc je vais le copier, je vais sélectionner toute la plage. Quand tu modifies une formule matricielle, il faut toujours sélectionner toute la plage pour la modifier. Je vais coller cette formule et je vais faire CTRL-SHIFT-ENTER. Et ça me donne bien la même chose. Et alors, ce qui est cool, c'est que maintenant, si je colle ça... Alors ici, il n'y a pas de fiche mardi, mais normalement, ça devrait être la même fonction. Je vais pouvoir réutiliser cette formule dans tous les jours de la semaine. Donc, petit déj. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes menus pour la semaine. Pour ça, ce que je vais faire, alors je vais pas tout refaire, je vais juste, je vais prendre des choses qu'on a déjà vues, je vais juste changer les quantités. Donc là, on va dire qu'on fait, on mange la même chose le midi et le soir. Tu vois, je vais juste mettre des données un peu au hasard pour voir si ça fonctionne en fait, pour si mes formules fonctionnent. Donc là, je vais faire petit déj 2, je vais en prendre 2. Voilà, et puis ici on va manger 3 petits déj. C'est pas très équilibré tout ça. Samedi 3 trucs là, et puis dimanche on va manger poulet, on va manger 500 grammes de poulet, je sais pas, 3 avocats, 400 grammes de brocoli. Et puis, 3 portions de fromage blanc. Alors, ce que je vais faire maintenant, j'ai besoin de créer mes feuilles lundi, mardi, dimanche, là. Donc ça, je vais simplement le dupliquer. Lundi, mardi, mercredi. Ok, donc là, j'ai simplement dupliqué la feuille pour chaque jour de la semaine. Et j'ai changé le nom aussi. Lundi, c'est bon. Mardi, on va juste changer le nom ici de du jour, tout simplement. Et donc, mardi, on avait dit, on va juste vérifier que c'est bon au niveau, ouais. Donc ça, c'est bien le même menu. Donc la formule doit marcher après à chaque fois. Si je mets mercredi, yes, ça va me chercher le menu du mercredi. Puis après, ça doit marcher pour le reste aussi, j'imagine. Hein. Donc jeudi, vendredi, ok. Samedi et dimanche. Ok, donc ici on a notre menu pour la semaine, on a nos nutriments pour la semaine, et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de calculer les objectifs ici direct dans chaque feuille, bon en fait ça tu peux le dégager, hein, ça on peut l'enlever. Je vais le laisser si ça t'intéresse, après tu pourras le modifier dans chaque feuille, mais l'intérêt c'est qu'on va... Comme on a tous les nutriments dans chaque ici dans la récap,
on va pouvoir mettre les objectifs en dessous. Et du coup, si tu veux changer la formule, tu auras juste à la coller dans tout le tableau pour avoir pour modifier ton objectif en une seule fois, et ce sera plus simple pour toi. Donc après cette formule-là, si je la colle ici, normalement, j'ai aussi les nutriments pour chaque jour. Donc attends, mardi, c'est bien les mêmes calories. C'est cool. Donc ça fonctionne. Donc cette formule elle est bien, je vais la coller là et puis ici aussi. C'est top. Voilà, ça me donne. Voilà, donc là, ça nous donne tout simplement tous nos nutriments. Et du coup, on va pouvoir mettre les objectifs en dessous. Objectif. On limite ça, tu vois. Après, on pourra le cacher, hein, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de le savoir. Une fois que tu sais déjà tes objectifs. Et on va mettre, en fait, ce qu'on a fait ici. Donc. Ça, je vais le coller. Je vais le coller là. On a dit quoi? Calories. On va laisser les objectifs chacun par jour, tu vois. Comme ça, je sais pas, si tu as des jours où tu alternes un peu, tu vois. Genre, par exemple, un jour, tu manges pas de glucides et puis d'autres. Tu vois, si tu as des objectifs de nutrition différents par jour, on va laisser un objectif par jour. Donc là, on va prendre à chaque fois le même pour toute la semaine, mais tu pourras changer après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va laisser les objectifs ici, puis on va mettre si c'est validé en dessous. Donc, objectif, et là, on va mettre... on va laisser ça comme ça. Et alors, on avait dit, c'était quoi les formules? Le premier, c'est si... si tu es à 50 calories près, donc on va dire égal si tes calories, si la valeur absolue de ça moins les calories de la journée. Si c'est inférieur à 50, ok. Et sinon, problème, ok. Pareil, donc ça, il faut que ce soit égal. Tu sais quoi, je vais les recopier là. Ok, donc là, je t'ai remis les mêmes conditions qu'avant. Tu vois, simplement, on se base sur. Sur chaque colonne. Du coup, alors même, tu sais ce qu'on peut faire, on peut remettre la petite mise en forme conditionnelle, là, si c'est égal, si tu as problème, si tu mets égal problème, on met ça en rouge, comme ça, ça te saute aux yeux. Ça, on va le coller partout. Parce que normalement, alors, ouais, ça c'est en dur. Ça c'est en dur, bon, faudra que tu le modifies à chaque fois. Et ça, on va le coller dans, pareil, dans toutes les listes de, dans tous les jours. Ah, tiens, il m'en manque un ici. Alors là, tu vois que je t'ai pas fait un menu super équilibré, donc je te laisserai équilibrer et puis faire selon tes propres objectifs. Simplement, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on peut on va mettre un peu de format. On va mettre un peu de format là-dessus. Ça, pareil, on va te mettre un petit truc sympa. Ce qu'on va faire, c'est que ça, en fait, on s'en fout, on va le cacher. T'as pas besoin forcément d'avoir le détail. Bon, après, tu pourras le rafficher si ça t'intéresse. Mais ça, on va faire... on va le grouper. On va aller dans « Données ». C'est où déjà groupé? C'est groupé là. Donc tu vois, tu vas avoir un petit plus moins que tu peux l'afficher ou pas. Selon si ça t'intéresse ou pas. Et puis là, on va mettre objectif. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va figer pour que tu aies toujours les jours. Et puis que tu aies toujours cette colonne des objectifs donc qui soit affichée. Donc pour ça, il faut que je me mette ici sur cette cellule, et puis ça va figer tout ce qui est en haut et tout ce qui est à gauche. Je vais aller dans affichage, et je vais figer les volets, ce qui permet de garder toujours... en fait, cette cellule, elle ne sert à rien, tu vois. Je vais la supprimer. Mais ça permet de garder... Je vais la supprimer.
Ouais, donc comme ça, tu as toujours tes jours de la semaine qui sont figés. Et puis là, si tu te déplaces le long de la semaine, tu sais toujours de quoi tu parles. Du coup, maintenant, tu as ton planning de menu de la semaine. Donc après, soit tu mets les ingrédients directement, comme ici, venant de la liste, tu peux rajouter, tu vois, du saumon, ce que tu veux. Et puis ça va automatiquement modifier. Tiens d'ailleurs, est-ce que ça marche? Si, si, ouais. Tu vois, ça marche. Si je rajoute 200 grammes de saumon, m'augmente direct les calories. Et puis, tu vois, ça augmente toutes les données nutritionnelles en dessous. Donc, si je mets 500 grammes de saumon, par exemple, ça va mettre à jour tous les nutriments. Et puis, est-ce que tes objectifs sont vérifiés à chaque fois? Donc, tu peux juste rajouter tous tes aliments que tu as mis dans ta liste. Donc si moi ceux que j'ai mis ils te conviennent pas, tu peux juste les rajouter. Hein, tu les mets ici, tu rajoutes une ligne et puis tu mets tes infos nutritionnelles. Attends, elle est où la semaine? Ouais. Donc voilà, tu mets soit les ingrédients, soit les menus que tu t'es fait déjà. Donc tu peux pareil te faire tes petits menus. Pour ça, tu peux utiliser le template du jour pour vérifier si globalement ton menu respecte tes objectifs. Et puis une fois que tu l'as fait et que tu sais que, comment dire, par exemple ton déjeuner, il est bien, il respecte ton objectif, tu le mets dans la liste des aliments, tu l'appelles, tu lui donnes un petit surnom. Et puis après, tu peux le réutiliser dans ton menu de la semaine. Tu peux le réutiliser dans ton menu de la semaine. Donc là, par exemple, ouais, après, tu vas pouvoir le réutiliser et avoir son surnom direct ici. Et puis comme ça, tu vas avoir tout ton planning pour la semaine. Et puis t'es paré, quoi. T'es paré pour être bien cadré sur tes objectifs de nutrition. Et voilà, après, tu peux choisir. Moi, j'ai mis des formules un peu, je sais pas, c'est plus pour quelqu'un, tu vois, qui veut prendre du muscle et qui veut manger beaucoup. Après, tu vois, si ton objectif, c'est de maigrir, tu peux changer. Tu changes juste les formules ici, et en fonction de tes objectifs. C'est à toi de voir. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça va t'aider à rester bien cadré sur ta nutrition. Je te souhaite bien du courage pour tenir tes objectifs. Voilà. Et puis, oublie pas que tu peux télécharger le fichier juste en dessous de la vidéo. Tu peux télécharger le fichier direct. Et moi, je te dis à demain pour un nouveau tutoriel sur Excel. Oublie pas de t'abonner pour le recevoir directement. Salut!